Et voilà, bonjour à tous. On se retrouve pour la suite de ce let's play consacré à Blood Bowl. Demi-finale hein, de la méga coupe contre les habitants des bas-fonds. Alors je ne me rappelle pas si c'était l'équipe qu'on avait affrontée. Ah oui, il faut que je mette l'écran avec le chat parce que JT aime bien dire bonjour à YouTube. Voilà. Mon PC, qu'est-ce que c'est? Alors 1080, c'est normalement c'est i7 6700. Et voilà, 8Go de RAM, ce genre de choses. Rien de bien folichon, mais des trucs qui tournent, quoi. Pouvoir faire des streams et puis d'avoir 20% d'utilisation CPU, quoi. Sans que ça fasse chier tout le monde. En 1080, 60 FPS, voilà. Du coup, les bas-fonds, je sais pas si c'est la même équipe, mais on va lancer. À quand les vidéos dégustation? Bonne question. Porte-monnaie, moult sous. Putain, on attaque encore des équipes qui ont je sais pas combien de trucs. Quoi? Mes primes à moi. Ah oui, lui, il peut prendre des sous. Comment ça se fait qu'on a tout le temps des sous? Oh, c'est l'angoisse. C'est pour ça qu'ils ont des joueurs. Bref. Relance déjà. Est-ce que c'est nécessaire encore une relance? Oui, parce que maintenant je me suis posé la question. En fait, si je l'avais pas pris, ça aurait été la merde. Donc on va la prendre. Donc tout le monde a des sous, d'accord, voilà. On repasse en full screen. Les gens sont là pour le jeu. Allez, les bas-fonds. Oh là là! Lui, il a les tentacules, mon JT. Je pense que tu vas être content, parce que là, si tu voulais de la tentacule... Voilà. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, ça fait bizarre d'avoir deux mecs sur le banc. Ouais, les deux avec 0 pex, hein, évidemment. Incroyable. Zuna, on va te mettre sur le côté parce que je vais vouloir mettre Pirate. Pirate ici. Voilà. Ouais, ouais, ça tourne bien le PC. Tu peux faire un petit câlin si tu veux, mon JT. Je pense qu'il y a de quoi t'amuser. Popcorn gagne une relance. Bon. Il a deux têtes. Ça, c'est rigolo. Elle est très rigolote, sa deuxième tête. Alors, les mutations, c'est quand même le lol, ça. Ah, ils ont presque tous deux têtes. Oh, c'est dégueulasse. Ouh là là. Ouh bah, Padou qui aura pas fait long feu. Ah, ça nous rappelle les heures les plus sombres. Ah, la passe 5+. Mais pourquoi tu fais une passe? Ah oui, parce qu'il a des bombes, c'est vrai. Ah bah, blessé. Ah bah, voilà. C'est n'importe quoi ce début de match, il n'a aucun espèce de sens. Perd un point de mouvement. Avec le champion qui s'est explosé. Incroyable. Bon. Un seul dé. Ah, c'est trop le boxon là. Bon, j'ai blocage. Et c'est blessé. Incroyable. Ça part sur les chapeaux de roue. Les chapeaux de roue. C'est n'importe quoi. Je sens que ça va être n'importe quoi. Allez, le Minotaur. Alors, je ne vois pas. Il est plaqué. Oh! Oh! La folie incroyable! La mort!
C'est... Je vous avais dit que ce match, ça serait n'importe quoi. Je l'ai senti. Ah ouais, l'apothicaire, mais quand même. Incroyable. Ce match de la décadence, de la violence la plus totale. Incroyable. Oui. Ça esquive. Hein. Ah mais putain, il a volé. Ouf. Attendez. Incroyable. Ouais. J'avoue. Mon filou, bien le bonjour. Et c'est vrai qu'il a lutte, j'avais pas vu. Zuna, je voudrais bien que tu me dégages lui. Ah ouais, non, c'est la folie. Ce début de match, tu arrives pour le début de match en trombone. Poursuivre. Et c'est le chaos. D'accord. Là, on t'appuie. Et du coup, mon filou, tu as loupé le Pex en folie. Hein, le Pex en folie, ce finette qui a récupéré un niveau. Du coup, malheureusement, pas de double. Mais on a fait un double 6. On a fait un double 6 pour... je ne me souviens plus. Qui était-ce? C'était Choupo. Oui, Choupo. Double 6, plus en force. On va se rapprocher. On priait pour un double avec ce finette, ça n'est pas arrivé. Bon, finalement, peut-être pas plus mal, parce que double 6 est choisi entre blocage et plus en force. Ça aurait été peut-être un peu compliqué. Et on a récupéré du coup Padou qui a aussi blocage maintenant. Donc, 7 joueurs avec plus de 4 en force, enfin 4 en force au plus. Et maintenant, on commence à avoir pas mal de joueurs avec blocage. Et ça, c'est cool. Voilà, voilà. Petit résumé. Où est le ballon déjà? Ah, il est là-bas. Lanceur Skaven. Ça commence à taper fort, ouais. Et du coup, on a mis Griff sur le Minotaur qui a tout de suite été efficace. Hein. Ah non, il est en marquage. Le petit sonnage. Il n'y a plus beaucoup de monde sur le terrain. Hein. Et on a fait un beau match. Hein. Le match d'avant a été assez incroyable. No spoil, mais c'était beau. Du beau jeu. Et bah tiens, filou. Maintenant que tu es là, alors on va te faire plutôt passer par là. Boum. Filou, allez. On va quand même te ressortir. Voilà. Pas te laisser hein, sur la ligne de touche. J'ai blocage. Ah là, c'est le plaisir, hein, des doubles blocages. Zuna, on compte sur toi. Il a esquive. Hein. Non, il n'a pas esquive, c'est un blitzer. Non. Ok, très bien. Ah oui, bon, on a la max... On a découvert un peu les améliorations de stade. Je suppose que les équipes ont fait des améliorations de stade. Mais du coup, on a la max
de sous-sous pour les pots de vin là, et compagnie, parce qu'à chaque match, les joueurs adverses, enfin les équipes adverses ont des champions. Et du coup, on se retrouve avec 120 000 à chaque fois, donc forcément, relance à gogo. Oh, jolie récupération de balles. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ils ne sont plus que 7. Hein. Phil casse, le blitz c'est pour toi. Hein. On va pas te laisser dans cette position. En arrière. Et on va poursuivre, évidemment. Très bien. Ah, c'est Basque qui est là. On a Sergent Bitchis qui peut aller récupérer le ballon. Avec son 4 d'agilité. Ok. On peut remonter de Choupo aussi, je pense. Hein. C'est pas des tentacules, là. Hein. C'est des doubles têtes. Deux têtes, voilà, c'est ça. Ajoute un objet d'esquive que je vais effectuer. C'est pas mal, ça. Hein. C'est pas mal du tout. Bon bah on va cogner. Hein. J'ai blocage. Oh, et c'est le chaos. Très bon ça. Hein. Je suis pas dans une zone de tacle. Mais... Au cas où. Hop. Mon dieu, c'est sale. Et le Minotaur qui a envie de taper, qui fonce dans le tas. Et ben voilà, ça c'est un vrai terrain. Ça c'est un match de Blood Bowl. Ça c'est du vrai terrain. Ça c'est du chaos. Ça c'est bon. Voilà, ça, voilà, c'est comme ça, c'est ça qu'on veut en face. Ah, c'est moi qui choisis. Ah bah putain, sérieusement. Oh, la réception en 6+. Un terrain propre. Presque pas de tâche de sang en plus. Putain. Oh mon dieu. On ne sait pas jouer le ballon apparemment. Tour 4. On en oublie qu'on est qu'au tour 4. Oui, on a Choupo et son 4 en force. Phil casse, c'est pour toi. Oh, quoique. Et il a blocage. Pas de blague. Oh, mais j'ai 3D. Ah, bon, allez, Phil casse. Soyons safe. Oh, Phil casse la blessure. C'est... oui. Ah, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Oh là là, on y croit à mort. La relance. Bien joué. Et c'est parti. On va pas laisser Sergent Bitchis si proche de l'extérieur. Du coup, Rambob. Poursuivre. Aïe aïe aïe. Et là, glissade contrôlée. On va poursuivre. Et Zuna, tu vas peut-être pouvoir faire un petit quelque chose. On va poursuivre. Et c'est la blessure.
Les deux pecs de Zuna. Incroyable. Au match dernier, on a fait combien de pecs? 20. Là, on est pas mal. Ah, ça donne envie d'être taquin, hein, parce qu'on l'avait pas vu. Hein. Oh, des os. Et on va pouvoir faire un blitz tout de même. Allez. Hop. On s'en occupera au tour d'après. Et ah, ça c'est con parce qu'il est pas dans une zone de tacle. C'est dommage. Alors c'est le seul debout, c'est ça? Ah non, ils sont deux. Très bien. Voilà. Un vrai match de Blood Bowl. C'est très bien. Il y croit à mort. On va jouer avec le Minotaur. Hein. On a le temps, ouais, on a le temps. Animal sauvage, tant pis. On a cramé le blitz, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. Poursuivre. Alors, il reste combien de joueurs? 1, 2, 3, 5. Non, 4. Oui, 4. Attends, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4. Oui, 4. Et non, j'ai pas vu ça encore, Filou. Je regarderai après. Allez, Zuna. Tac. Et voilà neige. Attention. Non. Encore heureux. On ramène tout le monde, hein, histoire de que ça soit la foire. Hein. Ça donne presque envie de faire des bêtises et de taper au sol. Du coup, c'est une version numérique de Colon Catan. Ah ouais, d'accord. Lui, il est chaud du cul. Ah d'accord, gratuit. Alors j'ai dû déjà le voir, mais il n'était pas gratuit hein, au moment que je l'avais vu. Ok, bon. Sixième tour, va falloir commencer à approcher. Choupeau, base, Sergent Bitches. Il est où en Bob? Il est là. Ah, c'est un jeu de gestion en ligne dans l'univers de Catan, d'accord. Tu connais toi JT, t'as déjà essayé? Oh, j'ai envie de... Le beau jeu. Le beau jeu. Le beau jeu. Toujours. Le beau jeu, le petit point d'expérience, hein, c'est gratuit. On va pas s'en priver. Et la blocage aussi. On s'en fiche. On va placer Woden avant. Le Minotaur également, si possible. Très bien. Et du coup, ça donne quoi? Ce Catan gestion.
D'accord. Ça fait pas envie du coup. Oh. C'est l'hécatombe. Hein. C'est l'hécatombe, pirate. Il n'a pas esquive. Et c'est la blessure incroyable. Si peu de joueurs. Ce match est une farce. C'est parti pour le blitz. Le blitz à 3D de Zuna. On y croit. Et c'est la blessure. C'est la folie. Qui a payé l'arbitre? Ils font semblant d'être blessés, je pense. Il ne reste plus qu'un joueur en face. C'est la folie. On s'était bien amusé. Et il est chaud avec son indé. C'est incroyable. Ce gobelin est chaud du cul. Incroyable. On va même pas marquer du coup. Sur notre dernier tour, c'est même pas garanti. Alors pour le beau jeu, j'ai envie de faire le blitz. Ah là là, incroyable. On va rajouter. Voilà. Et attendez. Je suis à 3D. On y va. Le gobelin de la résistance. J'ai pas blocage. Pas que je fasse le pont. Il a esquive. Tant pis. Il reste là, toujours debout. Incroyable. Mais nous, il est temps d'aller marquer. Oh. Allez, Woden, on croit en toi. Ah, avec cette magnifique vue. Ah putain, faut que je mette un double plus en fait. J'avais pas vu que je suis pas porté. Mais c'est pas grave, cette sortie. Oh, c'est la. Oh, c'est pas grave, je vous avoue que c'est pas grave. Dans ces cas-là, mettre un touchdown, c'est un petit bonus. Un petit bonus supplémentaire. Ah bah voilà, ça fait du bien un match du LOL. Ah, j'ai encore un tour en fait. Putain, je croyais que j'étais de l'autre côté. Incroyable. Choupo. Bon allez. Woden, seconde chance. Ah, je croyais que j'étais à droite. Oh là là, c'est compliqué pour Woden. Ah non, ça ne passera pas. C'est pas grave, je vous avoue encore une fois, ce n'est pas grave. D'accord, bon. Est-ce qu'il y a assez de joueurs après? C'est ça la question. Le retour, hein, parce qu'il y a eu Apothicaire. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 en face. D'accord. J'aimerais mettre Pirate et ses griffes sur la front line. Ah non, on a Padou qui est parvenu quand même. 5 joueurs, 6, 7, 8, 9, 10, 11, très bien. On va refaire ça. On va mettre base un peu plus haut. Et très bien. Défense parfaite. Slimy Assassins peut refaire son placement. Pardon. Popcorns doit conserver la place choisie par son coach. Alright. Très bien, seconde mi-temps, où est le ballon? Ah oui, c'est le coup de pied de régiment. Sergent Bêtise, pardon. J'étais ailleurs. Gracios. Bah là, la passe, ça marche bien. Ça fait la bonne réception. Hein, bravo. Très bien.
Allez. On va rester. Voilà, neige. Le 3D. Ah, le 14, tu peux plus y jouer, ils ont fermé les serveurs. D'accord. Bon, en même temps... ouais, c'est chiant, hein, je comprends, mais... les deux se comprennent. Bon, après, ils ont aussi les... ils auraient les moyens de les garder en ligne, hein, leurs serveurs. Gros débat, évidemment, mais... après, c'est aussi pour pousser. Hein. Les... on comprend. Putain, je vois rien. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. J'étais en train de lire le chat. Et... voilà. On va passer à droite. Mais apparemment, le 18 est bien, hein, Zuna. Me parler 8 millions de matchs, je crois. Niveau 9 milliards. Quelque chose comme ça. Très haut joueur. Rambob. Ça esquive en face. Je vais rester du coup. Oh, j'avais pas mal joué au mode fut aussi sur le 14. Le 15, j'ai quasiment pas joué. Hein, ça sera découverte quasiment avec le let's play. Je l'avais uniquement acheté justement pour faire la saison d'après du 14 en fait. Je termine le tour. Je n'étais pas très concentré, je vous l'accorde. C'est pratique d'avoir des joueurs comme ça qui sont susceptibles de récupérer la balle en plus avec 4 en force. Ça permet de faire des petites percées, ça oblige l'autre joueur à diviser un petit peu son équipe en défense. C'est pas mal. Mais multi-XP, hein. Déplace à droite, donc je vais passer au milieu. Bon, on va déjà relever celui-ci. Zuna seul face au troll. Le 17 à 20 balles. Bon, je suppose que le 18 est encore trop cher. Une case de plus, s'il te plaît, mon ami Woden. Merde, non, ici, ouais. Bon, là, ça sert à rien, on n'y croit pas une seule seconde. Par contre, Rambob peut... blitzer. Et dégager un joueur. Ah ouais, ça fait cher, hein. Ok. Et c'est bien pour nous.
d'ici qu'on termine notre saison sur le 15. Oh, la blessure. C'est dommage. Bon, on va tenter notre combo Sergent Big Cheese Rambob. On a une case en plus, on va pas s'en priver. Passe courte. Non, passe éclair, pardon. C'est parfait. Et voilà. C'est parfait. Chouette. Oui, alors on va peut-être faire rentrer Mister Grafou. Voilà. Maintenant on va taper. Bon, fallait quand même mettre un touchdown histoire d'être sûr, hein, d'emporter le match. Météo adverse, pardon. Il pleut, ce qui rend le ballon assez glissant. Parfait. Il y a la neige également. Ah oui, il a mis Frontline of the Dead. Bon, après j'y crois moyen, hein, pour les sorties supplémentaires. Un bon jeu de gestion. Ça dépend. C'est quoi tes références? Tu aimes bien quoi? Parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, de très bons. Ok. Animal sauvage. Allez, relance. Okay. Il n'y a pas de blocage, hein. Boum. Fil casse au contact. La même pour Rambob. Choupeau et son 4 en force. Très bien. Je peux aller jusqu'ici. On va pas s'en priver. Mister Grafou. Et... Sergent Big Cheese. Et il y a celui-là qui est en promo en ce moment là. Putain. Avec 20 milliards de ressources où on fait une colonisation sur Mars. Alors je sais plus sur quelle planète. Mais il y a 20 millions de trucs de ressources à gérer, on crée des bâtiments, faut les acheminer, etc. Oh merde, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié complètement. Putain, cette mémoire en carton. Ah, il est peut-être plus en promo, c'était peut-être le week-end dernier. Ah non, c'était le week-end dernier. Enfin, je sais plus. Merde. Ah, il y avait Endless Space, ouais, mais il y a Outpost, je sais pas quoi. Ah, il y avait Haven Colony qui était sympa, ouais. Et il y avait Outpost, je suis fatigué. Bon, je peux choisir le jeu. Ah, Double Skull, ça c'est bon. Mais sinon, Endless Space, très bon. Combat des titans.
En tout cas, plein de jeux. Hein. Il y a plein de trucs assez cool. Hop, on va poursuivre. On va cogner avec Filcas. Hop. Rambob qui va faire le tour à son habitude. Il n'y en a pas un ou deux qui sont sortis. Un qui est sorti récemment dans le genre de Pharaon et compagnie, Phil. Et après, il y en avait un plus vieux, mais pareil. Putain, mais les noms, c'est incroyable. Je ne me souviens de rien. C'est l'orage et tout. Par en haut, et je vais poursuivre. Ouais, là, là, là. Il n'y a plus rien qui tombe, là. Évidemment. Il a tellement fait de dégâts. Voilà, c'était celui-là que j'avais en tête. Il nous reste combien de tours? 3 tours. Oh non, j'ai pas blocage. Pas de bêtises. Pas de bêtises. Si je pouvais dégager lui, ça serait bien. Hop. Ramenons du soutien, 2D. C'est pratique d'avoir tout le temps 2D. Hein. C'est très bien. Allez, c'est parti pour le blitz à 2D avec Pirate. Très bien. En haut. Et on poursuit. On va pouvoir ramener Woden à côté de la balle. Rambob par ici. Allez, on va tenter de continuer de s'amuser. Pas blocage, malheureusement. Second blitz à un dé, du coup. Hein. Ouais. Allez, dos au sol. Oh, Sophie n'est blessée. Ça faisait longtemps. Rate le prochain match, côte cassée. Oui, apothicaire. Pas de blessure. Ah oui, Warlock, c'est cool. Ce nombre de blessés en face. Oh, le crâne.
Oh, mais on est pas mal là. On est pas mal pour un auto down. Pirate ou Woden. Ce serait bien que Woden y aille. Ah, ça veut pas, hein, Woden. Je me suis pressé sur la balle. Erreur. J'aurais mieux fait de me placer. On aurait pu mettre un autre touchdown. Et le crâne. C'est pas son match, hein. C'est vraiment pas son match. Hop. Je veux quand même passer, pardon. Allez. La transmission, tout s'est bien passé. Allez, peut-être 3 points d'expérience. Oui. Et le PEX. Woden level 2, parfait. Et c'est un 2-0. Tout se passe à merveille. Ah, j'aimerais vraiment changer les cheerleaders. Mais je ne sais pas. Défense parfaite. Je peux refaire mon placement. Oui. Faisons un placement prêt à castagner du fion. Voilà. Grand moment de placement, grand moment tactique. Boum. Boum. Ça va. Tout se passe bien. C'est son dernier tour en plus. Bon, c'est le turnover, c'est parfait. Petite victoire qui nous mène en finale de la méga coupe, l'air de rien. Des points d'expérience. Oh, le 6, 90 000 boules. Et 2 points de fame. Très bien. Au niveau des points d'expérience, Rambob qui se... Ah ouais, alors Rambob, putain, mais Rambob, quoi. Incroyable. Il prend le MVP. 14, 15, 16, 17, 18, 22. Oh, mais c'est un max d'XP, encore une fois. Incroyable. Ça risque... On risque de voir du level up, ouais. Alors, Rambob qui... Oh là là, Rambob. On va d'abord faire Woden. Ça marche. Ok, Phil. Je prends note. Donc, le Mino, je préfère le décaler d'une ou deux cases derrière la front line pour qu'il reste bien mobile et pas bloqué au centre. Le passage de niveau de Woden, c'est un 4. On va lui mettre blocage. Sans sourciller. Et... Rambob. C'est un 8. C'est un 8. C'est un 8. Et il a bras supplémentaire. Ajoute plus un tous les tests de réception de ramassage. On pourrait même... Oui, tout à fait, Phil. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue tactiques différents. Main démesurée, le joueur ignore les adversaires proches quand il tente d'attraper la balle. En général, on fait en sorte qu'il soit seul. On peut lui rajouter des griffes, histoire de bazarder tout le monde. On peut lui mettre un de tête, histoire d'esquiver, pourquoi pas. Oh, ça peut
être pas mal de répulsion du coup pour éviter qu'il se fasse castagner vu qu'il est toujours tout seul en avant. Ou alors, dans la force, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Esquive en force. Il utilise sa force à la place de son agité lorsqu'il rate une esquive. Et en général... Ouais. On passe avec le chat. C'est dans, vous voyez. Les petits conseils tactiques de Vilkas. On va réfléchir. On va réfléchir sur ce qu'on fait sur Rambob. On se laisse le temps. Mais il y a des trucs à faire. Et ça, c'est bien. À réfléchir. Et on a 90 000. On va pas dépenser. On va rester là. Voilà. C'est tout pour ce match. Merci YouTube. Des bisous.